Alléluia. Encore une fois, merci. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Encore une fois, merci, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, à cause de ta bonté, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour tous tes merveilleux, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses être élevé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer encore pas de plus, Seigneur. Car c'est toi le Dieu, le Créateur éternel Dieu. Toi le Dieu qui fait élever le soleil, Seigneur, le matin. Toi le Dieu qui a créé le jour et la nuit, Seigneur. Toi le Dieu qui a créé l'air, Seigneur. Toi qui a créé l'herbe, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, si nous avons à manger, Seigneur, c'est toi qui as pourvu, Seigneur, à travers ta création, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore de plus t'adorer, car tu es digne, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons t'élever, Seigneur, pour tout ce que tu as créé, l'univers que tu as créé, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh.
l'univers que tu as créé, ô éternel Dieu. Avec le parfait équilibre, éternel Dieu. Et tout ça, Seigneur, tu l'as créé, Seigneur, pour notre bien-être, ô éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Car il n'y a que toi, Seigneur. Encore fois de plus dire un mot à ces dieux-là par rapport à sa bonté, par rapport à sa miséricorde. Ses bienfaits sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les énumérer un par un. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque instant, à chaque minute, même pendant que nous marchons, rassurez-vous qu'à chaque pas, quand vous êtes capable de faire un pas et d'en faire une autre, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui marchent, il fait un pas, mais l'autre, il y a quelque chose qui arrive. Voilà pourquoi il y a une cantique que nous allons chanter. L'auteur de la chanson dit, si je traduis en français, il dit que son cœur trouve 110 000 mots pour adorer l'Éternel. 10,000 raisons pour adorer le Seigneur. Et quelque part, il dit encore, par rapport à tout ce que l'Éternel a fait pour lui, s'il se met à dire chaque bienfait de l'Éternel, ça peut encore lui prendre 110 ans, même plus. Voilà pourquoi, si nous disons que nous voulons adorer le Seigneur, bien-aimé, comment ne pas trouver les raisons? Comment ne pas trouver ce que Dieu a fait pour vous? Que chacun imagine un peu sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Imagine un peu depuis que vous êtes né jusque-là. Il y en a d'autres, vous avez été dans un même hôpital, vous en êtes sorti, vous êtes rentré à la maison, mais eux, ils avaient une autre destination. Chacun de nous sait là où il est venu, là où Dieu l'a pris et là où nous sommes maintenant. Comment ne pas trouver les raisons pour l'adorer? Comment ne pas trouver les raisons pour l'élever? Je veux que réellement nous pouvons, que chacun de nous puisse reconnaître quel est ce fait-là que Dieu a fait pour lui et que ça puisse être un sujet de prière pour lui ce matin. Bienfait de l'Éternel. Vous avez la santé, Dieu vous a donné la santé. Il vous a donné la joie. Il vous a donné la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce n'est même pas le travail. Ce ne sont pas les biens qui donnent la paix. C'est notre Seigneur qui donne la paix. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres personnes que nous connaissons, qui sont même connues, ils ont l'argent. Mais nous savons aussi peut-être que avant de dormir, ils sont obligés de prendre certaines somnifères. Parce qu'ils n'ont
Ils n'ont même pas de sommeil, mais vous dormez aisément, vous réveillez. Cette paix-là, il n'y a que Dieu seul qui peut la donner. Dieu vous a guéri. Il vous a donné une famille, il vous a donné les enfants. Il vous a donné une femme, il vous a donné un mari. Il vous a donné une promotion. J'aimerais que chacun puisse dire que nous puissions remercier l'Éternel par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Nous prions dans le nom de notre Seigneur, car c'est Dieu là, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu miséricordieux. Éternel, nous te disons merci Seigneur. Nous sommes devant ton trône, Éternel Dieu, car nous reconnaissons, Éternel Dieu, que tes bienfaits sont tellement nombreux, Seigneur. Merci Seigneur, ne fût-ce que pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Éternel Dieu. Il y en a de ceux-là, Seigneur, que tu as ôté. Même maintenant, là, Seigneur, il y a de ceux-là, à la seconde même, Seigneur, que nous prions maintenant, il y a de ceux-là qui viennent d'être appelés cadavres, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur, par ta miséricorde, Éternel Dieu, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la santé, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons mangé, Seigneur. C'était bien fait, Seigneur. Voilà pourquoi, humblement, Éternel Dieu, nous reconnaissons que c'est toi le seul, le maître, c'est toi qui garde, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui décide, c'est de notre lendemain. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux faire ça, personne d'autre, Seigneur. Il n'y a personne qui nous aime comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui prend soin de nous comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui veille sur nous plus que toi, ô éternel Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, my soul.
remercie, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Toi, le Dieu Adonai, Seigneur. Toi, Adonai, éternel Dieu. Encore une fois de plus, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui combat pour nous, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu qui combat pour nous, Seigneur, là où nous ne pouvons rien, Seigneur. Même dans la journée, Seigneur. Même dans la nuit, éternel Dieu. Pendant que nous dormons, Seigneur, comme des morts, ne sachant pas, éternel Dieu, ce qui arrive. Mais toi, le Dieu qui ne dort ni ne somnole, Seigneur, tu veilles sur nous. Si nous sommes là, Seigneur, si chacun de nous a l'âge qu'il a atteint maintenant, Seigneur, combien de combats, éternel Dieu. Seigneur Jésus, si nous sommes là, c'est toi, éternel Dieu. Si je suis là, c'est toi, personne d'autre. Ce ne sont pas mes parents, Seigneur. Ce ne sont pas les frères ni les sœurs, éternel Dieu. C'est toi, Adonai, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons encore ton nom, Seigneur. Adonai, éternel Dieu. Toi, le puissant guerrier, Seigneur Jésus. De Dieu ce matin. Alléluia! 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 Le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que vous êtes la lumière de Jésus? Vous savez, si vous venez ici à Tchamachos, c'est parce que vous ne fuyez pas la vérité. Parce que ceux qui fuient la vérité,
se cache dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, les mauvaises choses se passent. Mais lorsque tu viens dans la lumière de Dieu, la vérité se passe. Alors, ce matin, je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes la vérité de Jésus. Et sa parole est votre bataille.